Voilà. fait. J'ai fait la bêtise, hein, je l'admets, et maintenant je me la suicide. C'est pas grave, je me foutre dans la poubelle. Je te souffle à l'oreille également qu'il a tendance un petit peu à manquer de respect. Je vais à un endroit et je merci, merci. Qu'est-ce qu'il raconte que... Je vais me foutre ça dans la poubelle. Qu'est-ce qu'il raconte Non. Non, monsieur. Ah bah si, je vous avais pas vu. Monsieur, j'appelle les ambulances. Vas-y, appelle. T'appelles là ou pas? Je suis mort. Appelle les ambulances. Les ambulances, monsieur. 9, 1, 2, allez, allez, répondez, s'il vous plaît, répondez. Ah voilà. Ah. Salut. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Je peux savoir pourquoi tu la carquilles? Mais j'ai pas fait exprès, depuis tout à l'heure j'appelle les AMS et tout. Genre il avait de la D5 et je le voyais pas là. Non, non, tu as fait exprès quand même. Non, non, la tête d'homme, j'ai pas fait exprès. T'es sûr? Ouais, ouais. Parce que moi j'ai vu, tu l'as bien percuté et tout. Hein. Je te promets, j'ai pas fait exprès même, j'ai appelé les AMS et tout. Ouais, après t'es sorti genre, ah oh, ouais et tout. Parce que vraiment c'est un ban, hein. Ah ouais? Ouais, bah ouais, c'est ça le truc. Mais t'as pas fait exprès, tu m'as dit. Non, non, j'ai pas fait exprès, vraiment pas. Bah jure. La tête de ma mère. La quoi? La tête de ma mère. Ok. Et tu le connais, le mec? Non, non, je le connais pas. Je connais personne sur serveur. Ah ouais? Je suis arrivé tout à l'heure. Je suis arrivé tout à l'heure, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Tu vas faire quoi? Je sais pas. Ouais. Pourquoi t'as un masque? Pour le coronavirus. T'as le corona? Ouais, je l'ai. Jure? Non. Parce qu'en fait, si t'as le corona, je suis obligé de te kick, hein, pour le bien-être des joueurs et tout. Hein. Ah ouais? Bah ouais. Du coup, je mettrai juste Karkil alors. Vas-y. Et du coup, c'est un kick de 2 jours. Un kick de 2 jours? Ouais. Tu rigoles? Mais non, mais c'est que t'as un allemand de 2 jours, c'est un ban. Attends, tu m'apprends mon boulot là? Non. Bon, bah vas-y, ça va pour cette fois. Mais ils vont venir le MS ou pas là? Non, ça m'a mis. Vous avez appelé un médecin 12 et ça m'a pas mis. Enfin, il y a quelqu'un genre. Qui a pris l'appel. Personne n'a pris l'appel genre. Ouais, bah du coup, vas-y, tu lui feras un bouche à bouche alors du coup. Bah avec mon masque du coup. Ouais, bah t'enlèves le masque. Vas-y. Vas-y, bah je te retépé, vas-y. Vas-y. Messieurs, vous allez bien? Je vais vous faire un bouche à bouche. Allez, j'ai vos masques. T'es vrai, allez, non? Ah, je suis mort. Oh là là, moi, c'est non, t'inquiète, je te laisse. Vas-y, continue. Oui, mais il a pas l'air très très réceptif au bouche à bouche. Continue, monsieur, essayez plus bas. Non, non, ça va aller. Ah, je suis mort. Ah, putain. Bon, bah tant pis, hein. on a essayé de revive hein, les joueurs et tout, mais ça a pas fonctionné. Hein. Il avait l'air trop gentil, le skin. Il m'a dit quoi? Un kick de 2 jours? Mais du coup, c'est un ban. Lui, ça fait 2 heures qu'il est là. Hein. Lui il bombarde sa mère. Hein. Quoi, je connais que elle a réparé Bottom. Hein? Que des arabes dans la voiture. Hein. Donc on va essayer de trouver des gens. On va essayer... Hein? C'est bon, il est encore là, le skin. Ah, c'est bon? C'est bon? On va appeler dans 5-10 minutes. C'est bon. Attends, ils ont réussi à le revive et tout? Ah non, il le tient. Non, il le tient pas? What? Je comprends plus. Je sais pas si c'est passé quoi, frère, mais. Il fait quoi, lui? Pourquoi il faisait des pompes au milieu de la route? Frère, il pleut! Le terrain, il est glissant! Oh là là! J'ai eu un problème de vue, je t'ai vu au dernier moment, man! Attends. Man! Putain, j'espère que c'est pas tu. Attends, je t'appelle une ambulance. Je dois aller. Oh, tu l'as détruit, hein! Attends, je t'appelle une ambulance, man. Tu vois, il y a un mec, il assiste à un accident, il arrive, il dit: putain, tu l'as détruit! Aucune compassion! Une ambulance pour lui, voilà, c'est je l'ai vu au dernier moment. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Non, mais frère, mais. C'est pas RP, ça!
Oh là, mais y'a que des morts aujourd'hui ou comment ça se passe? Il se passe. Mais t'es mal lui, il est vénère! Stop de taper les poubelles. C'est pas RP. C'est bon, il s'est calmé. C'est bon. Frère, les poubelles, ils ont rien demandé en vrai. Hein. La vérité, les poubelles, elles sont gentilles, elles sont hnina et tout. Et lui, il est là, il les tape et tout. Ça va. Tranquille. Damien Meyer, c'est ok. Ouf. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Je sais pas pourquoi il y avait une voiture retournée ici. C'est passé quoi? C'est un bordel, non? Serveur, c'est GTA Light. Mais attends, vous avez la même coiffure? Aidez-moi. Appelle l'ambulance, s'il te plaît. Regarde ce que je voulais dire, regarde ce que je voulais dire. Appuie sur J pour faire un bouche à bouche. Comment il s'appelle lui, Teddy Menu? Vraiment fait, il a cru que vraiment il y avait une feature bouche à bouche et là puis surgit. Ah ouais, en fait, dit c'est pour dormir, c'est pour faire l'animation. Ça m'a tué. Waouh, il est déjà. Ah oui, d'accord, ok. Lui, il persiste. Hein. Lui, mais pourquoi, frère? Il s'est non, lui, il abuse. Pourquoi il a fait ça, lui? Ah oui, il continue. Hein. Non, mais incroyable, c'était une blague. Non, mais non, mais oh là là, mes frères, ils croient vraiment qu'il est en train de le faire. Non, mais lui, il fait quoi, lui? Vous allez bien? Non, ça va pas. From à l'hôpital. Putain, depuis tout à l'heure, il se jette, lui. T'es... Il a découvert un truc. Mais laisse-le tranquille, Mais ça fonctionne pas, regardez, c'était pour rigoler. Mais il y a un quoi juste là? Oh là là, t'es mal lui, mais lui il fouille. Mais ouais, mais frère, lui c'est le pire. C'est le pire lui. Bon là il le fouille. Cette scène n'a aucun sens. Mais pourquoi tu le fouilles? Ah mais non, mais vas-y, laisse tomber. Faut pas leur dire de faire des trucs aux gens. Viens de m'avoir jeté. Attends, mais mets-toi comme celui. Non, fais comme moi. C'est quoi ça? Ouais. C'est plus grand que toi. C'était les diadèmes. Je prends pas leur dé. Franchement, y'en a, ils se tapent des scènes, mais tout seul, tu vois. Vous avez pas de l'eau là, sa grand-mère, ouais, je vais crever. Achète. J'ai pas le flou. J'ai crevé sa grand-mère. Tu vas me laisser crever, hein. Ah, je suis là, okay. Je suis pauvre. Si, mère. Hop, ça va se... Voilà. Tu vas manger avec. Attends, c'est bon. Attends, quand même. Non, le sang, t'as vu, moi je suis blindé, tu connais, moi, il y a beaucoup de tissu, il y a beaucoup de vin, il y a beaucoup de tablettes PS4, le tissu est épais. Et oulé, c'est pas levé. Et t'as vu, moi, faut que je le vende, frère. Mais t'as vu, je vois, il y a pas de punch-up. Pourquoi il parle comme ça? Eh, il a changé de voix en 30 secondes. Bon, là, je te cache pas, je peux pas courir. Ouais, bah, fais-toi des sous, prends un entrepôt, pose tout dedans et t'attends que ça marche. Putain, c'est vrai, ça, c'est vrai. Eh, tu m'as l'air d'être bien envie, toi. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Bon, on dirait que t'as imposé, quoi. Pas tant que ça. Ah, mais je suis un citoyen comme un autre. Eh, rouga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 roug
Non, c'est les chaussures. Oh là, tchatek, écroyant. Il parle tout seul, hein. Et où est le Mexicano? Et Mexique. Voilà, frérot, tu ressembles à un loup-garou. Mais vous savez comment c'est quel muscle pour changer de place dans le véhicule? On le sent, ça existe pas les muscles en ville, ma gueule. Oui, et monsieur. Il a dit, ouais. Il a dit. Est-ce que vous savez où on achète à manger à boire? Il a dit, tu ressembles à un loup-garou. Mais oui, je le sens. Vas-y. Ah, je suis mort. Putain, je. Ici, ma gueule. Ah, ok. Ah, c'est carré là. Ah, oui. Ah, lui, c'est le pire, hein. Chocolat. Ah, voilà, c'est. Chocolat, chouïa. Non, pas de bière. La bière, prends la bière ou pas? Ouais, t'as vu, il non, a voulu. Non, prends pas de bière, c'est rené, prends de l'eau. De l'eau? De l'eau de source? Ouais, de l'eau de source, ma gueule. Vas-y. C'est pas derrière lui. Hop. Putain. Ouais, putain, ouais, t'as le sac quand même, hein, il est stylé. Hein. T'as vu ça, hein? Ouais, oui. Eh, dis-moi, t'as une voiture à me prêter ou quoi? Moi, une voiture? Voilà, j'ai rien, le sang. Vas-y, arrête de faire le radin là, vas-y, prends une voiture. La vie de ma mère, gros, je suis à pied, tu vois pas, je peux pas courir, je suis lourd. Je suis un gros porc. Ah oui? Il est trop lourd en fait. Ouais, t'as pas un petit billet pour moi, s'il te plaît? Tu me parles de billets, le sang, écoute-moi bien. Je me suis fait raqueter, les condés m'ont niqué. C'est bon, c'est dommage, j'ai 1$ sur moi. Je peux commencer à bouffer. Attends, vas-y, bah, on va voir s'il ment, voir l'inventaire. Wouah, tout ce qu'il a sur lui. Les gars, il a même pas 1$ sur lui. Mais t'es pas ce qu'il a. Collier et tout, voilà, cambrioleur de luxe. Il a pas 1$ les mecs sur lui, hein. Et il marche comme un blindé, Zam, en plus, hein. Il marche comme un blindé. Je suis mort. Mais un dollar. T'es handicapé. Mais un dollar par le chapeau. On dit pas, monsieur, j'ai pas l'handicapé, c'est ta paix. Non, mais je sais pas, frère, voilà. Vas-y, moi aussi, gros, j'ai pas des roues, vas-y. Toi, tu sais rien faire, toi. Eh, monsieur, ça va ou quoi? Pourquoi t'es handicapé? Raconte-moi ta vie un peu. On m'a percuté. Non, où ça? Un peu plus loin, non. Vers la banque là-bas. Mais qu'est-ce qu'il racontait? Eh ouais, bah raconte, du coup, une fois qu'il t'a acheté, il a fait quoi? Il a fait des fuites. T'as fait, je peux pas porter. Putain, plein. Fais chier, ah ouais, merde. Ça, c'est toi, espèce d'enculé. Non. Ah, c'est lui qui l'a percuté. Je suis vraiment un enculé, putain. Oh, le bâtard. C'est lui qui l'a percuté. Il dit comment il s'est passé. Oh, le chien. Mais lui, il respecte rien, lui. Il y a rien à foutre. Non, non. Putain, wow, wow, wow. J'ai pas voulu te frapper, moi, pas du tout. Comment tu sais pas comment il parle? Je comprends rien à ce qu'il raconte. Voilà, je me fais chier, astre. Il a dit, voilà, je me fais chier. Et enfin, il parle tout seul. T'es pas, il baille et tout. What? Il s'est déco? Ah ouais, le mec il a dit putain, je me fais chier, il s'est déco instant. Bah lui il est grave bou. Et il est bizarre, hein. Ah, eux je les sens bien, eux. Nabil Papin et Tony Marley. Je sais pas pourquoi je les sens bien. Oh là 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 là, chauffe la dégaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Je vais pas te mentir, moi j'ai la tête, elle fait des bons. La tête, elle fait des bons. Elle il a saute dit. En l'air, ma tête. Il a dit, ma tête, elle saute en l'air. Alors, ID, HRP vocal, dit clippé, dit en plein vocal, elle me donne mon prénom. Ok, on va aller sur... C'est lui. Ah, bravo, vous me donnez de la bière. Ouais, j'ai de la bière. Apparemment, lui, il fait de l'HRP vocal et tout, on va voir. Et on va voir. Je suis complet, là. Arrête de... Ah, arrête de m'escorter alors que tu me notes pas, enculé. Je fais... Quoi, mais... Eh, hey, regarde ce qu'il fait, mais il fait n'importe quoi, mais... Eh hey, les gars, s'il vous plaît, là je suis sous le mur, clippez ça, frère, les 2000 là, clippez ça, voilà. Et vous m'appelez NS là, parce que frère, mais n'importe mais quoi. Mais vous comprenez pas, donc... Oh là là, vous allez rester ici, je vous dis. Hein. Mais frère, 2000... Écoute, à votre voici. 2000, pas 2000, mais merci qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mais il est fou, quoi. Tu dis pas ça, frère. Et bah, il a appelé le loup, il est arrivé, le loup, hein. Ah, bah, tu dis pas ça dans ton vocal RP, mais il est malade ou quoi? Roya, je sais pas qui tu es, je sais pas quel stream tu es, mais faut pas dire ça, Roya. Ça se fait hop. Alors, non, mais attends, attends, lui, c'est un troll. Non, lui, il était en prison. C'est pas marrant. Lui, il était à poil. Attends, 28-16. Ouais, salut, arrête. Arrête de courir! Ça va? Yannis? Ah voilà. Putain, il a même pas été ban, je suis deg. Il est mort tout seul. Voilà qu'il est à moins 400 de QI.
Incroyable. Putain, on a trouvé le joueur RP. Ouah, franchement, c'est le joueur de la soirée. Pour le moment, il y a personne qui est plus fort que Yanis. En même temps, c'est un Yanis, ce qui explique beaucoup de choses en soi. Les Yanis, faites quelque chose, merde. Pourquoi Roya, tu klaxonnes? Ah, lui, je le sens. Lui, je le sens super bien, lui. Ah, il court. Wesh, mais il te prend quoi, mon ref? Mais tu vois pas le véhicule là, mon gars? Mais j'ai rien fait à ton véhicule. Mais gros, mais ah, tu te fous de ma gueule ou quoi, gros? Ah, ben moi, frère, sur mes yeux, la tête de ma mère, je l'ai pas touché ton véhicule. Mais t'es rentré droit dedans, désolé, gros. Désolé, mon ref. Eh, gros, sur mes yeux, écoute, sur mes yeux, je l'ai pas touché, il me rend pas fou. T'es malade! Salut les pourris. Oh là, j'ai envie de te planter devant le commissariat. Mais qu'est-ce que tu fais, gros? Mais tu fais quoi devant le commissariat, coco? Mais qu'est-ce que tu fais, gros? Oh là, j'ai envie de le baiser, gros. Voilà que j'ai envie de le baiser, gros. 27,81. Aïe. Ah merde, ils t'ont déjà baisé? Wesh. Ils t'ont baisé? C'est mon baiser. Ils t'ont baisé devant le comico? Ouais, il m'a frappé juste. Ah ouais, mais il t'a couché. Ouais, mais tranquille, on s'est juste battu. Chah! Comment je suis content? Mais. Pourquoi tu tapes devant le comico? Moi? Oui, toi? Parce qu'il a fait le fou et tout. Quoi? Il a fait le fou. Il a fait le fou? Mais toi, t'as fait encore pire que lui! Ouais, non, et devant le comico, regarde, tu fais pas ça. Ouais, désolé, t'inquiète. Ouais. Et sa voiture, tu l'as touché ou pas? Non, j'ai pas touché, il y a eu un peu de sync. Ah, ok. Attends, mais... là, on parle RPE ou HRP? On parle RP, regarde. Ah, ok. Bah oui. Comment ça se fait, je suis arrivé sur le toit, là? J'en sais rien, regarde, ça je pense que c'est la ville, elle a des trous, tu vois. Ah ouais. Mais du coup, normalement, là, tu dois être... t'as compris? Ouais, je suis désolé. Ouais, bah vas-y, saute du toit, alors. Quoi? Saute du toit. Jure. Ah bah c'est soit ça, soit tu vas plus loin. Je saute du toit. Ouais, tu sautes, vas-y. Alors, enfin, regarde, je vais sauter du toit pour toi, mais est-ce que je peux te dire un truc avant? Ouais, vas-y. On parle comment, là? On parle RP, là. Ah ouais? Bah oui, toujours. Ok. Vas-y, je kiffe ce que tu fais vraiment. Continue comme ça, bien vu le fiston. Mais on se connaît pas, Roya. Vas-y, Roya. Bah vas-y, saute, allez. Vas-y, non, mais viens voir le petit plan jaune là, viens voir. Vas-y. Je te mets une note, hein. Eh oui. En fait, c'est soit le kick. Après, tu me fais revenir ici et tu me dis la note. Ok. Attends. Ok, t'es prêt? Ouais, vas-y. Allah Akbar. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah voilà. C'est bon comme ça. En fait, c'était soit je le kick, ou soit il tombe coma et puis il appelle EMS, tu vois. Mais dans tous les cas, ça va le faire chier, tu vois. Voilà, comme ça, il va apprendre. C'est comme ça qu'il faut... Et les gars, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'il faut apprendre aux joueurs. Hein. Par contre, là, au Akbar, je suis pas sûr. Hein. Vous êtes inconscient? Vous êtes inconscient? Ouais, il est con, il a sauté du toit, je sais pas pourquoi. Oh là là. Tiens. Comme Congo. Tiens. Ah, Arrête. Quel toit je vais choisir? Salut! Salam! Putain, c'est la deuxième fois qu'on se croit aujourd'hui, c'est incroyable! Ouais. Bon, il s'est passé quoi? En gros, il a essayé de me voler mon taxi quand j'étais vers le comico. Et après, j'arrivais, voulais pas payer la facture. Oui, et après? Après, je l'ai poursuivi. Ouais. Et je l'ai tapé. Tu l'as tapé où? Devant le LTD, vers les stations essence. Ok. Et du coup? Mais du coup, là, il est tombé. Ouais, mais faut pas frapper au LTD. Ah ouais, mais il paye pas la facture. Ouais, bah c'est pas grave, tu lui dis suis-moi, etc. Tu l'emmènes quelque part autre, tu vois. Mais au LTD, tu peux pas. Il m'a fait courir partout. Ouais, bah justement, toi, il t'a fait courir partout. Bah toi aussi, fais-le courir partout. Mais lui, il me suivait pas moi, c'est moi, je le suivais. Oui, non, mais j'ai compris. Lui, c'était la souris et moi, j'étais le chat. Mais regarde, tu le tapes, il tombe coma, et après, il se passe quoi? Tu vois, ton argent, tu le récupères pas, tu vois? Ouais, dans tous les cas, ouais. Ah, tu vois? Ouais. Et du coup, voilà, t'es ban, hein? Combien de temps? Attends, je regarde vite fait la grille. Ah, tout à l'heure, t'avais fait un bouche à bouche, on est d'accord, hein? Ouais, je l'ai fait. Ouais, mais le gars, du coup, le gars, il s'est revive ou pas? Il va mieux? Non, je crois pas, non. Bah après, je le voyais plus, donc je sais pas. Ouais, du coup, attends, t'as déjà fait un carkill, du coup? Non, c'était, je l'ai pas carkill, vu que j'ai pas fait exprès. Ouais, mais bon, c'est quand même un carkill, c'est à cause de toi qu'il a été coma, on est d'accord? Ouais, ça, ouais. Ouais. Tac, là, c'est Free Punch LTD. Putain, normalement, là, on part sur 14 jours, là.
14. Ouais, ouais, attends, je suis en train de regarder là, mais tac, 7 plus 7, ça fait combien? 7 plus 7, ça fait combien? Ça fait 14. Ça fait 14? Oui. Putain. Et du coup, tu vas faire quoi pendant 14 jours là? En vrai? Ouais, en vrai, ouais. Bah, je vais aller sur un autre serveur. Sur... Ah ouais? Ouais. Ah ouais, toi, tu vas voir la concu direct quoi. Merci. Ouais, comme ça, je m'amuse sur un serveur et après, je reviens dans 14 jours ici. Ah ouais, mais du coup, en fait, si tu rejoues sur un autre serveur, en gros, là, c'est. Attends, je regarde. Tac, tac, tac. 14 plus 15, ça fait combien? Je sais pas. Attends, si, 29. Ah ouais, là on part sur un ban de 1 mois du coup. Hein. Parce que, en fait, quand tu commences une histoire sur un serveur, t'es obligé de la garder, tu vois. Ah ouais? Bah, en fait, c'est les règles, t'as pas lu? Si, j'ai lu. T'es sûr que t'as lu? Bah non, parce que LTD, tu savais pas déjà. Si, LTD, je savais, c'était une zone safe, mais il m'avait pas fait. Ah, tu savais en plus? Mais c'est grave! Bon, qu'est-ce que je fais avec toi là? Ça fait. Oh! Tu fais quoi? Oh là là. Tu voulais faire quoi? J'ai failli sauter, mais j'ai pas fait exprès. Ah ouais, t'es un ouf, hein. Faut pas faire ça. Là, je pense que je serais mort, je pense. Ça. De là? Ouais. Ça dépend en vrai. Attends. Bouge pas, j'arrive. Oh, il y a un petit truc à faire là en vrai. Oh, il y a un petit truc à faire, les gars. Tu t'enlèves de mes épaules? Ah ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, tu me vois? Ouais, je te vois, je te voyais pas sinon. Bah là, en fait, du coup, en fait, soit je te kick. Ouais. Soit c'est un ban. Ouais. Bah, kick, c'est vraiment le minimum. Ou soit tu sautes. Mais faut que tu viennes de mon côté en fait, parce qu'il y a une piscine en fait. Il y a moyen que tu tombes. Je me suis fait hagar par les buds, par les ouais. Balas, les familles, les vagos et maintenant par toi. Oh, tout ça en 3 heures. Hein. Ouais, mais quand même, t'as car kill et t'as fait free punch quand même au LTD. Ça le truc. Vas-y, mais tu sautes avec moi. Quoi? Tu sais. Vas-y, ok. Vas-y. On y va à 3, ok? Vas-y. Attends, t'es dedans? De quoi ouais. Je suis dedans? Bah, la piscine en bas, tu vois la piscine? Bah, y'a ouais, une piscine ouais, en bas! Je la vois. Là, normalement, je suis dedans là. Ah! D'après le théorème de Thalès. 2, 3, vas-y, saute! Allez, saute! Il est dedans ou pas? Ah ouais! Oh bah, il a pas eu de chance! Oh putain, et moi j'ai réussi! Oh non, il a pas eu de chance! Putain, il a pas eu de chance en vrai! Hein. Putain, il a pas eu de chance! Hey, t'as pas eu de chance, hein. Je suis tombé pile poil dans la piscine. Hein. Ça fait mal. Ouais, putain, c'est. Franchement, en 3 heures, t'as vraiment cumulé en vrai. Hein. C'est. Ouais. Il est temps de changer de vie, croyant. Bon, bah vas-y, appelle. Attends, je les appelle pour toi. Super. Il a pas eu de chance, on l'a. Mon téléphone il fonctionne pas. Je jure sur la vie de ta mère, mon téléphone il fonctionne pas. Ok. J'ai une mauvaise nouvelle. Laquelle? Mon téléphone il fonctionne pas. T'as vraiment pas de chance. Envoie un message, ils vont arriver très bientôt, je pense. Bah, je pense pas, bon, vu ce qu'il y a à l'hôpital. C'est bon, vas-y, c'est bon, je vais te ramener jusqu'à là-bas, d'accord? En courant? Ah, frère, soit je te laisse, soit. Non, vas-y, soit je cours, hein. Je vais demander à quelqu'un de nous déposer, d'accord? Vas-y. Personne va te déposer, c'est sûr. T'es fou, bien sûr. T'as ah, ouais, soin, si. Ouais, t'es soin, ouais. Eh, hey, t'es pas censé parler, tu veux que je te banne ou quoi? Non, ça va. S'il vous plaît, vous pouvez me déposer à l'hôpital? Vas-y, mon ami. Viens. Oui, venez. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Voilà, vas-y. Oh, allez, c'est moi qui conduis, tu peux me mettre un peu en rouillard? Ouais, des points, un peu ce qui... Ouais, ça, non, j'ai pas le revive. C'est gratuit ou pas? Ah bah ça, il faudra... Alors là, vas-y, va dans un coin, dans une ruelle, on y démarre. Et on est des malfrats. Vous êtes quoi? On est des malfrats, attends. Oh non. Alors... Continuez. À gauche. Voilà. Tu continues maintenant à droite. Okay, voilà. Et vas-y. Oui, là. Attention, les voitures, c'est pas ton daron qui l'a payé. Eh bah, mon vieux. Ils sont tous fous, hein. Comment ça, mon vieux? Et là, je vais à droite. Tout droit. Mais monsieur, comment ça se fait que vous avez quelqu'un dans vos bras qui est... Il a fait une tentative de meurtre. Sur lui-même. Tentative de meurtre sur lui. Ça s'appelle un suicide, je crois. Ouais, les termes techniques, c'est suicide. Voilà, c'est ici, là. Et comment qu'il s'appelle? Hamar, je crois. Vas-y. Ouais. Ça, ah, voilà. Ça, je connais. Tu peux le sortir? Attends, je vais le sortir, laisse.
Je suis nouveau en fait, je sais pas trop. Pas nouveau oui. Ah bon alors, vas-y. Ouais, hadj jusqu'à la sang. Ouais. Oh non. Et où? Alors je crois qu'on l'a fait tomber sur la route. Oula. C'est pas. Ouais, c'est pas grave, s'il sera pas une grande perte, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, oui. En tout cas, merci. Si, il avait l'air gentil quand même au visage. Ouais, bon, bah, pourquoi? Ouais, c'est tout. Franchement, vous êtes beau gosse, surtout le sac. Merci, c'est gentil. Bon, quoi? Mais on a le même sac? Mais ouais, mais on a des. Même claquette, même sac! J'en ai marre. Je vous laisse, bisous! Le pauvre, c'est vraiment pas son jour. Bah alors, t'étais où? C'est bon, t'inquiète, tu peux parler. Tu vois là où tu m'as mis dans le coffre? Et bah, j'étais là-bas. Par terre. Par terre, par terre? Ouais, les gens ils marchaient dessus, normal. Ok, ok, eh, parle pas, on va voir à l'hôpital, d'accord? Vas-y. Voilà, je dépose que des cadavres, moi, toute la journée. Ah bah voilà, ça c'est deux bon. Encore. Pardon, ouais, urgence. Ouais, amiral, vice-amiral. Pardon, urgence, urgence. Eh, bonjour, monsieur. Urgence, urgence, urgence. Surtout monsieur le policier, là. Très mal, là. Voilà, monsieur, je te dépose sur la police. Monsieur, je vais vous porter, monsieur, je vais vous porter. Monsieur, je vais vous porter. Allez, bon courage. Oh, oh là là là. T'es vraiment con, le cousin. T'es vraiment bête, hein. J'avoue, Vraiment bête. Mais vous êtes qui, monsieur, là, pour me parler comme ça, là, avec vos lunettes, hein? Je suis le directeur de l'hôpital, monsieur. Ah, vous êtes le directeur de l'hôpital? Ben, moi, je suis le directeur en chef de la mosquée. Directeur de la mosquée? Quelle mosquée? D'ailleurs, je récolte pour la mosquée. Attendez, j'ai un appel, hein. Voilà, je raccroche. Justement, je récolte pour la mosquée qui va bientôt être construite près du commissariat. Près du commissariat, Inch'Allah. Vous avez un peu d'argent? Venez, bah, venez, on discute, parce que là, je comprends pas trop le vrai projet sous-jacent, c'est quoi? En fait, le projet, je vous explique. Je suis imam, voilà. Donc, je m'appelle Abu Ali. Et donc, je récolte un peu de l'argent à Los Santos pour pouvoir construire une mosquée à côté du commissariat. D'accord. Entre nous, avec cet argent, je veux aller unicorn. Mais ça, il faut pas le dire. D'accord. Ouais. Mais au pire, vous pouvez acheter, racheter l'unicorn et après, vous faites réciter des sœurs à l'intérieur. Monsieur, ça c'est. Non, ça c'est pas dans mes projets, ça, monsieur. Bah, c'est peut-être un projet comme un autre, quoi. Ah, c'est vrai. Et d'ailleurs, là, j'ai une ourtière, ça s'appelle Aïcha. Oui. Et on va lui faire passer la mosquée. Non, c'est Aïcha. Qu'est-ce qu'on va dire? Oula, monsieur, calmez-vous, monsieur. Pourquoi tu tapes la voiture? Je suis impulsif, mon frère. Oh là là. T'es impulsif? Ouais, je suis impulsif. Ouais, bah va faire de l'impulsivité ailleurs, s'il te plaît. Voilà, vous voyez, ça c'est quand on est pas, ça c'est qu'on est loin de la mosquée, ça. Hein. Ah, désolé, monsieur. D'ailleurs, vous avez pas pris d'argent pour la mosquée, monsieur? Tiens, ouais. Tiens, c'est pour toi, tu veux de l'argent, tiens. Non, donne-le. C'est à moi. Moi, je veux pas d'argent, donne-lui. Voilà. Charles Bello. Je suis gentil, man. Tiens. Merci. D'ailleurs, monsieur le directeur du MS, y'a pas envie de me soigner? Parce que vous êtes directeur du MS, non? Ouais, mais là, je suis pas en fonction, là. Ah, y'a pas de soucis, monsieur. Hein. Avec vos petites lunettes, là, attention, hein. Ouais, c'est normal. Vous faites quoi dans la vie, vous, à part directeur? Il y a plus de taxis que d'ambulances ici, c'est incroyable. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai remarqué ça, y'a que des embouteillages partout. Hein. Mais... Ah, chaque taxi pris, j'ai plus de cheveux. Regardez mes cheveux, attention, regardez. Pour votre mosquée, vous pouvez faire. Pour la financer, vous pouvez faire une application. Et après, vous pouvez faire des braquages aussi. Ben justement, je récolte un peu d'argent sale pour. Inch'Allah, pour la mosquée, il faut la halaliser. Mais ça, Ouais, vous transformez l'argent haram en argent halal. Exact. Oh, subhanallah, monsieur. Hein, vous connaissez bien. Du blanchiment de CIET. Exactement, subhanallah, monsieur. Hein. Je sais pas comment vous avez trouvé ça, mais c'est excellent. Ben, c'est un bordel dans ma tête en ce moment. Ah, dans ma tête, je vois, à chaque fois, je vois plein de numéros, plein de chiffres et tout. Des noms, en veux-tu, en voilà, des couleurs. C'est incroyable. Si vous voulez, vous pouvez passer à la mosquée pour faire une ruqya. Ouais, ça je veux bien, ouais. C'est parce que là... C'est une mise à jour du cœur, c'est ça? Voilà, exactement, là. J'ai trop d'appels, là, monsieur, hein. Je suis désolé, je vais vous laisser, hein. Ouais, y'a pas de soucis, allez-y. Ah ouais, j'ai une mosquée à construire, allez, salam alaikum. Attendez. Vous avez pas toujours donné l'argent, là? Quel argent? Bah, l'argent pour la mosquée, monsieur. À quoi être arrêt? Un sourire est meilleur que un milliard de dollars. Ah oui, c'est vrai. Sourire, c'est sunna, c'est vrai. Eh ouais, depuis tout à l'heure, t'as souri, donc c'est bon. C'est limite toi qui me dois de l'argent. Ah oui, c'est vrai. Bah attendez, je vais quand même. Non, trop cool. Si, quand même, arrêtez. Non. Waouh, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi, c'est grave, c'est grave. Merci, franchement, vous êtes vraiment les meilleurs. Les meilleurs imams. Ah oui, par contre, tu me connais pas trop, monsieur. Ouais, tranquille. Dites-moi quoi. Et moi, je suis juif, par contre. Ah, c'est juif? Ouais, on est en concurrence, c'est ça? Bah ouais, un petit peu, ouais.
Ouais, bah, de toute façon, y a, on va construire une église satanique aussi. Hein, monsieur ? À côté de la mosquée. Ah, vous avez pas un peu. C'est cool. Oui, monsieur ? Vous avez pas un peu de sous pour la mosquée ? Tu souffles mon gueule, toi ? Ah non, je te propose pas. Ah, y'a pas de soucis, monsieur, au revoir. Ouais. Ça va ou quoi le sang ? Ouais, ça va et toi ? Tranquille ? Moi, ça va nickel. Bien. T'as besoin d'habits ? Non, moi, je cherche comment me faire des sous là. Bah attends, tiens, déjà je te donne des habits parce que Roya, t'as vu le temps qu'il fait ? C'est abusé. Ouais, mais moi je viens du sud de t'inquiète gros. Ouais, mais écoute Roya, il faut que tu mettes des habits parce que sinon tu vas tout là-haut, tu vois, et tu vas avoir des soucis et tout. Ouais, mais ça tombe bien, il y a mon père là-bas, j'irai lui coller 2-3 torgnoles pour ce qu'il m'a fait quand j'étais petit. Non, t'as pas compris en fait. Genre, tu vois, t'es rentré dans cette ville avec un visa et tout, tu vois ? Ouais, je vois le sein. Ouais, mais tu vois, en fait, si tu te balades sans habit, ils vont te taper sur les doigts tout là-haut. Ah merde, alors, mais comment je fais le sein pour m'habiller ? Alors, tu vois la blouse que je t'ai passée ? Oui. Eh ben, tu la prends avec ta main droite. Tu fais un clic droit sur blouse. Ouais, le sein, mais je la trouve où la blouse ? C'est ça le problème. T'appuies sur les deux flèches au-dessus de mage. Mais toi, ça c'est HRP, on n'a pas droit, tu vois, normalement. Chut, faut pas le dire, t'inquiète. Vas-y, t'appuies en fait sur les... Tu vois la caps lock, au-dessus, t'as les deux flèches. T'appuies dessus pour ouvrir l'inventaire. C'est bon ? T'as réussi ? Ouais, c'est bon. Après, tu vois dans vêtements... Ah, voilà ! Oh, les gars, j'avais déjà une tenue et tout, j'étais beau gosse carrément. Non, faut que tu prennes la blouse. T'es nouveau en ville ? Ouais. Ouais, en fait, prends la blouse et tu demandes de l'argent. Tu vas te faire masse d'argent. Ah ouais, à ce point-là ? De ouf. En fait, c'est intéressant ça. Tu te fais passer pour un SDF, tu vois, et t'inventes une histoire de ouf, les gens ils vont donner association, je sais pas quoi, tu fais ce que tu veux, tu vois. Oh, je vais tous leur salarié en fait. Voilà, c'est comme ça, Roya. Vas-y, t'inquiète. Tu viens d'arriver ? Ouais. Vas-y, lourd. Et par contre, on a pas le droit de parler HRP, ça c'est juste entre nous, tu vois, rien de cas. Ouais, c'était. Tu connais, je viens d'arriver, un petit peu d'aide, ça fait pas de mal. Bah ouais, normal. Tu sais comment vider un coffre dans une voiture par exemple ? Non. Ok, alors tu vois sur le tableau de bord de la voiture ? Oui. Ouais, t'as une touche égale. T'appuies sur la touche du tableau de bord égale. Ok. Et après, t'auras une option vider le coffre. Et c'est comme ça que tu fais. Ok, je vois, Simir le sang. Ouais, de rien. Tu veux apprendre quelque chose d'autre ? Non, c'est bon. T'inquiète, Simir le sang. Ça fait plaisir. Bah, Roya, je t'en prie, y'a pas de soucis. Hein. Vas-y, attention, y'a des joueurs. Vas-y, tranquille. Là, t'es allé où là ? Là, bah, nulle part, hein. Tu connais, on se balade, hein. Ah ouais, parce que là t'étais vers là-bas, non ? T'étais garé là ? Moi je me suis déconnecté là-bas, c'est pour ça. Non, moi c'est parce que tu connais, j'allais voir on m'a dit que je pouvais devenir avocat, tu connais, j'ai pris le taf, ça, je voulais aller au cabinet d'avocat mais c'est fermé. Ouais. Bah t'as déjà la robe d'avocat là, c'est pas mal. Ouais, je suis beau gosse. Ah là mon pote. Non mais franchement, la technique de donnez-moi de l'argent s'il vous plaît, t'inventes un truc, ma femme elle est morte et tout, ça passe crème. Ouais, mon fils il a des hémorroïdes, si je l'opère pas il va crever et tout ça, ouais je connais. Toi c'est quoi ton histoire ? Moi c'est, tu connais, j'étais petit, je vivais avec mon père en fait, j'ai double aide. Ouais. Et un jour j'ai volé une moto et il a pris le daron, tu connais les darons bled, ils rigolent pas avec ça, tu vois, il a commencé à me tatane, une claque, deux claques, trois claques, RKO, tout ça. Quel bled ? Moi c'était au Maroc le sein. Ah au Maroc, ok. Il savait pas quoi dire. C'était à Rabat, tu connais tout ça. Ah ouais, Rabat, c'est la base. Je m'en bats les Quoi ? Et après tu connais, bah du coup il a vu la moto, il a dit toi tu remets plus jamais les pieds à la maison. Et depuis je suis là, je fais les villes en ville, je erre dans la rue comme un clochard. Hein. Ouais je vois. Ok. Ça fait 10 ans là, je dors chez des potes, à gauche, à droite. Ouais. Background éclaté de ouf. Vas-y lourd, bah Roya, vas-y je te laisse, bon courage. Vas-y hein, bon courage à toi le sang. Ouais. Merci si beaucoup. Si t'as un problème, tu fais T et tu. ouais. Ah, bah, ouais je t'appelle gros. Vas-y tranquille. Tu fais un slash, tu fais T slash report et après tu exposes ton problème. Si jamais t'as un souci. Ok. Ok, Roya, vas-y, c'est le. Eh, neveu, ne connais, Roya. Neveu, hein, franchement, moi, merci beaucoup, hein. Allez. Et c'est quoi ton nom en fait ? Moi, c'est Bob Fouf. Ah ouais ? Putain, j'aurais jamais deviné. Vas-y, ça marche, Roya. Allez, bon courage. Merci, toi aussi. Aïe !
Ah bêta. Zama, si tu réussis, tu meurs. C'est quoi ça? Tu comprends pourquoi je suis dégoûté encore aujourd'hui? Oui, je comprends. Chouf, regarde, wallah, il a un chapeau sur la race. Il a un chapeau, avec son chapeau. J'ai glissé, mais... Roya, avec la pluie, j'ai glissé avec mes claquettes, c'est pour ça. Oh putain. Mais... des claquettes aussi. T'as pas honte? J'en ai marre. Attends. Franchement, j'en ai marre, toute ma vie. Mais non! Toute ma vie, Roya, je suis là! J'ai eu des claquettes! Ouais, tonton! Mais non! Ouais, c'est Marcène, hey, tonton! Mais pourquoi t'appelles ton tonton? Ouais, j'ai besoin de 50 grammes. Je me dis. Ah. Ah, 50 grammes de quoi? Attends. Combien de temps tu les as? 50 grammes de quoi? Vas-y, merci. Vas-y. Hein? Eh, hey, 50 grammes de quoi? D'ibuprofène. Ah ouais, t'as mal à la tête? Maïka. Vas-y, moi aussi j'ai mal à la tête. Ouais. Bah, je viens de glisser justement, c'est pour ça. Non, mais de pas te chercher un véhicule. Et ce véhicule, il m'a fait utiliser tous mes crochetages. Ah ouais. Ouais, mais faut prendre un pied de biche, je crois. Ça marche du premier coup. Bah vas-y, attends, tu parles, essaye, vas-y. Mais j'ai pas de pied de biche moi sûrement. Mais tu peux en acheter. En même temps, ta voiture elle fume, non? Non, j'aime, attends, bouge pas. J'ai un taxi que pour moi. Roya, il faut que t'achètes un pied de biche. Un pied de biche, mais c'est où ça? Bah, c'est un mec un peu gros comme ça là. Ouais, je sais c'est où, mais attends, il y a mon taxi, il arrive. Ah ouais, bah tu prends un pied de biche, ça fonctionne. Aïe aïe aïe, les débutants. Eh, mais t'aimes trop parler toi. Ça fait 2 minutes, t'es là, tu prends pour. Je sais pas qui. Bah, je te donne des conseils, après tu les suis pas. Ah, mais je sais pas, attends, on rigole, vas-y, je te suis. Et tu lises le pied de biche, vas-y. Vas-y, bah ramène-moi un véhicule, vas-y. Mais pourquoi tu. Attends. T'aimes trop parler toi. Hein? Comment ça j'aime trop parler? Mais toi tu me connais pas en fait, c'est abusé hein. Hey. Toi tu parles du, tu parles du 50 grammes et moi c'est des 50 kilos, des 50 tonnes moi que... Ah ouais carrément. Eh ouais mon pote. Putain. Mais toi tu le crois toi en plus. Hein? Comment t'es naïf? Moi? Il est pas naïf frère. Il a juste choisi son camp, c'est tout. Tu vois là c'est les losers et là c'est les winners. Eh ouais. J'ai fait un Wesley là. Comment ça, ouais? Bah, et ouais. 50 tonnes mon cul, ouais. 50 tonnes, bah, ton cul, je sais pas combien il pèse, mais en tout cas, moi. Pèse lourd, pèse lourd. J'ai fait les 50 tonnes. Vas-y, attends, t'as 50 tonnes, donne un gramme. Mais tu crois que je les ai sur moi? Bah, t'as sûrement 2-3 grammes sur toi. Mais je suis pas un amateur comme toi, Roya. Ça se voit, ça se voit. Moi, j'ai des hangars de. Eh, je te connais pas, mais arrête de le sucer, frère. Mais elle me suce pas! Déjà, je suis hétérosexuel, déjà, des 1. Mais voilà, elle te suce! Mais c'est pas possible! Non. Elle est trop grosse, il peut pas la mettre de la bouche! Frère. De quoi tu parles? Frère, ça se voit au chapeau! Ben oui! Attends. Allo, c'est qui? Allo? Allo? Allez, ça va encore bécraf des 10 grammes? Ouais, vas-y, donne-moi des grammes! Allo? Si c'était le petit m'appelle, il répond pas! Ah, c'est pas comme ça qu'on parle au Yonkli! Ah, c'est pas Yonkli! Ah, t'as pas de Yonkli en plus! Bah bravo! Non! Ah bah. Oui, allô. Bon, les amateurs, moi je vous laisse. Tu parles pas. Vas-y, casse-toi le beau parleur. Mais y'a pas de réseau, y'a pas de réseau. Ah. Oh, je suis fatigué. Tiens, ouais, je suis fatigué là. Putain, il est lourd, de ouf. Je le porte. Tu veux, je le porte. Ouais, porte-le, ouais. Mais il est où? Il est où? Je sais pas, il est où. Ça va la conduite? Tranquille, hein. Il est où? Non, bah non, c'est pas tranquille, t'as failli m'écraser, espèce de fou. Non, mais il fait n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Mais laisse, regarde comment il conduit. Qu'est-ce que tu fais? Oh, vas-y, non, mais t'as failli m'écraser pour des vrais là. Non, bah je m'en bats les couilles là. Ah, tu t'as bats les couilles? Ouais, clairement. Ah, mais lui, il veut se faire planter en fait. Ah, vas-y, cassez vos bandes de merde là. Mais non, mais je sais pas ce qu'il fait. Vas-y, roule, tu fais quoi? Roule. Ouais, pas tranquille. Ah, bah j'en ai Vas-y, moi je vais à l'hôpital. 27-69. C'est bon. On a une voiture, les mecs, on a une voiture, je crois. Oh, on peut monter. Allez, viens. Oui, je te dépose, viens. C'est ouf, lui. Tiens, elle est halle, sa voiture. Hein. Oh, elle va à 129, tranquille. Oh, elle est rapide, là, hein. Là, je bombarde des ouf, frère. Oh, ça fait 2 jours que je suis là. Tu t'as pas des contacts? Descends, va te soigner, toi, qu'est-ce qu'il me raconte avec les contacts? Des contacts pour... Attends. Va te soigner, va. J'ai pas, Roya, j'ai pas, va te soigner, espèce de fou, va.
Est-ce que vous êtes un membre de la police déjà? Oui, bien sûr. Ok. Bah, du coup, je voulais vous expliquer en fait. Bah, vous voyez la personne là-bas en masque de Corona. Ouais. Je l'appelle comme ça, le masque comme ça. Ouais. Et ben bah, en gros, bah, on était en taxi. Celui qui est parti en courant? Ouais, ce fils des pètes. Voilà. Ah, d'accord. Et du coup, on était là, on était tranquille et tout, en taxi et tout, avec mes potes et tout, en train de regarder tes YouTube et tout, tranquille, on était bien, tu vois. Et puis après, bah, ce Wled Haram, il vient avec son véhicule, il nous percute. Ouais. Et disons que, bah, disons qu'on a besoin de faire un constat, mais la personne, disons que voilà, quoi, c'est... elle veut pas faire de constat, elle veut harbat, quoi. Sauf que là, en fait, on va se faire baiser. Notre véhicule de taxi et tout, on doit le payer et tout. Enfin, les réparations et tout. Et là, il veut se tailler, ce bâtard, et puis voilà, quoi. Les réparations, c'est pas sa daronne qui les paye quand même. Ouais, il faut lui mettre un coup de pression, à mon avis. Ouais. Ah bon ? Ouais. Viens, attends, viens par là-haut. Ouais, depuis tout à l'heure, tu me pointes du doigt, là. Agent spécial Doofy au rapport. Viens, attends, viens par là. Oui ? Je pense que tu vas me suivre. Ah ouais ? Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Oui ? Pour quelle raison ? Oui, pour quelle raison ? Tu vas faire marcher ton petit cerveau, regarde bien. Vas-y. Ouais, ok. Ça te dit rien ? Pas du tout. Ça te dit rien, là ? Pas du tout. Ça là, mon petit sac Nike, là, il dit rien là, dans lequel tu m'as pris de la bœuf là, avec lequel tu m'as filmé avec tes potes. Et ouais, je te reconnais avec ton petit short, tes petites claquettes et ton petit chapeau là, dans le garage. Je suis le taxi. C'est toi qu'on a chopé dans une petite ruelle et tout. Ouais, mais attends, pourquoi il t'avait hagard comme ça, je me rappelle plus. Parce que vous êtes des putains d'enfoirés, les gars. Ah ouais, c'est vrai. En plein milieu de la route, vous avez pilé. Je vous ai foncé dedans. Ah non, et du coup, non, vous m'avez raqué toute ma bœuf. Ah non, ça je me rappelle pas. C'est dommage. C'est pas à toi que j'ai mis de la cocaïne dans le sac. Toi t'es un sacré chenapon quand même. Non, mais c'est pas toi que j'ai mis de la. T'as l'air d'en faire des sacrés. C'est pas toi que j'ai mis de la cocaïne dans le sac, non ? Non. Moi, j'avais de la bœuf. Ouais, t'avais combien ? J'avais une bonne petite dizaine de pochons. Oh, il dit, c'est rien. Et vous m'avez filmé avec tes collègues en train de faire une transaction avec un de vos collègues. Alors qu'en fait, c'était juste un racket, quoi, clairement. Il y avait Mamadou. Ouais, c'était lui le gros fou là. C'était Pet, retourne-toi. Retourne-toi tout de suite. J'ai un couteau, ok. T'es tombé dans la pierre. Maintenant, c'était Pet. Maintenant, tu te mets contre le mur, c'était Pet. Vas-y, maintenant, relève les mains. T'es le mouk. Vas-y, écoute. Alors là, mon pote, je peux te dire que. Toi aussi, écoute les murs. Est-ce pas des cadavres, ça, monsieur? Vous foutez ma gueule ou quoi? C'est pas des cadavres, c'est vraiment quoi? C'est pas la mort, Récy, c'est l'hôpital. Eh, mais c'est pas vous, là, vous faites écouter pour la mosquée, là. Ah oui, bah venez. Ah, on va parler business. Alors, Roya, c'est avance l'ouverture de la mosquée? Ah, bien sûr. Eh oui, c'est avance. Est-ce que la première pierre a été posée? Ça, c'est les deux pierres qui ont été posées là. Ah, c'est pas une, c'est deux là. Eh ouais. Tu sais quoi? Je vais te raconter une anecdote, laisse tomber. Vas-y. J'ai ramené des ourtis, on a chanté des anachides ensemble. Ouais. Et en fait, pour le faire. Ah ouais. Il y a un cadavre! Oh, désolé. Oh, je fais des crises d'une heure collective, c'est pour normal, ça. C'est normal. Bon, je vais aller me faire foutre là-bas. Hein. Y a pas de soucis. Hein. Pourquoi c'était à l'hôpital d'ailleurs, vous? Moi, subhanallah, monsieur, j'ai les quatre bras cassés là. Vous avez de ces poils, vous êtes un grizzly, monsieur. Justement, monsieur, je suis un grizzly. Ouais. Comment vous m'avez reconnu, monsieur? Attendez, regardez. Regardez, monsieur, regardez, s'il vous plaît, regardez. Oh là là. Oh, Starfall, c'est un terrain de foot là. Non, c'est pas un terrain de foot, monsieur, c'est la jungle. Vous voulez toucher? Allez-y, touchez. Non, tranquille. Oh là là, tranquille. Bah, c'est pas grave, hein. Ça arrive. Tous ces cadavres. J'ai cherché un implément, moi aussi. Tu fais quoi? J'ai dit. La prière pour les cadavres, ah, ici. Je vous explique. La prière, c'est pas. Y'a pas la prière, mais. Attention, moi je vais vous frapper là. La prière, c'est pas comme ça. Attention. Déjà, ma mère, tu es simple avec tous tes chars. Fils de pute! Pourquoi il y a un poil de papier? Yes, c'est bon, je l'ai eu. Voilà, je t'ai eu! Bon, c'est Uber? Uber shit, ouais. Tu peux monter ou pas? Hein? Tu peux monter? Tu payes? Ouais, tu me déposes au magasin de vêtements, s'il te plaît. Vas-y, fais vite, s'il te plaît. Ouais, tu payes combien? Pas cher, t'inquiète. Vas-y, allez, bismillah. Lequel? Un beau gosse. Je te laisse choisir. Le meilleur de la ville? Le meilleur, Brett le frère. Vas-y, emmène-le au meilleur.
Haja délicieuse, haja au top. Haja au top. Haja au top. Franchement, délicieux. Est-ce que je suis un super héros, croyant? Bien sûr. Moi, je suis Ant-Man. Quoi? T'es Ant-Man, toi? Non, Ant-Man. Non, non, Ant-Man, Ant-Man. Non, non. Et tu viens d'où comme ça? Attends, attends, attends. Hey, gros, tu as personne? De quoi tu parles? Va au magasin de vêtements, va au magasin. Ils vont. Attends, je ramène une lumière. Ouais, ouais, tu vois, c'est moi le client quand même. Non, mais on a le client, clients roi, aussi. Ah, le client, il est roi, ouais. Ah, attends deux secondes, frérot. Hein. T'as pas vu? Tu fais quoi? Deux secondes. C'est ton pote? Salam alaikum. Comment tu as? Ouais, c'est un pote à nous. Il travaille. Oh. Là, ouais. Eh, vous êtes grave gentil comme gars, c'est abusé. T'as vu ça? Ouais. Putain. Ah ouais, des fous. Mais c'est grâce à moi, du coup, que vous avez croisé votre pote, c'est ça? Ouais. Ouais, du coup, c'est gratuit, c'est cool, les mecs. Merci beaucoup. Zabbé, t'as regardé? Oh là, tu vas payer, vas-y. Ça veut dire quoi ça? Sors. Ah ouais, d'accord, donc toi, la Hassanet, le paradis, tout ça, tu connais pas. Hein. Putain. Attends, Putain. Vas-y, je vais te faire une facture, c'est bon? Ouais, vas-y. Combien? T'es pas cher. Vas-y, allez, bismillah. Et tiens. Ah, attends, je lis le montant vite fait. Il y a beaucoup de zéros quand même, hein? Non, il y en a que deux. Non, toi t'as. Ah, oh, non, c'est pas ce que je voulais faire. Non, fais-moi payer 50$, il y a un zéro de plus, là, t'es fou, quoi. Mais t'es un fou, là. Quoi? 50$, c'est peu, tiens. Quoi? 500$? T'es un malade ou quoi? Mais non, t'es fou, là, je suis sûr. Ok, j'appelle la police, alors, c'est bon, hop. Comment ça t'appelles la police? Arnaque, ça va dire que t'appelles qui? Non, tranquille, non, c'est ma tante, elle m'a envoyé un message, c'est pour ça. Tu vas payer, c'est bon? Non, mais pas 500 quand même, c'est trop. Akbaran, khalli tranquille, tu vas payer, ça fait? Mais non, mais j'en ai marre. Mais regarde, t'as vu? C'est le quatrième, il fait ça, Trop simple. Direct, ils se mettent à pleurer. C'est le quatrième, il nous fait ça, frère. Il fait des hasanats, tu vas aller au paradis. 500$ par ci, 500$ par là, c'est abusé. 150$, c'est bon. Ok. C'est bien, ça a compris, ça. Tiens. Vas-y, t'en pousse-toi, Yiden. Hein? Tiens. T'as dit quoi? Non. Non, tu vois. Tu vois, t'abuses. Tu vois, t'abuses. C'est faire quoi là? Non, tu vois, t'abuses. Mais non, mais en fait, c'est bon, quoi? C'est bon. Je te refais un nouveau truc. Refais. Ah, c'est bon. C'est le dernier essai, hein. Vas-y, le dernier essai. Oh, tiens, c'est bon. Non, mais toi, t'es content. Eh, franchement, tu arnaques un frère musulman comme moi. T'abuses. Mais comment je peux savoir? T'as le chapeau que t'as un chapeau marine. Rabbi Kbir, t'inquiète pas. Mais comment je peux savoir que moi que. Arrête, c'est bon. Allez. Le karma, il va te rattraper, il va te rouler dessus. Inch'Allah. Vas-y, à plus. Il a dit Inch'Allah. Je suis mort. Oh, fais chier. Appuie sur J pour le GPS. Je suis mort. Quel gamin, je te dis. Il a traversé au rouge, le man. Bah ouais, c'est normal aussi. Tu roules à combien, peut-être? C'est la rue. 30 km/h. Arrête de mentir, sale arabe de merde. Tu sais très bien que t'aimes trop. Non, c'est un carrefour. Je sais très bien comment t'es. À chaque fois que je monte avec toi, tu prends les carrefours à 30 km/h. Oui, mais c'est même pas moi qui conduis. Attends. T'as commencé ta phrase par quoi? Par je suis musulman. Ah, ok, d'accord. J'ai mal entendu, c'est pour ça. Ah non, t'inquiète. Vas-y, monte Lincoln. Vas-y. Bonne soirée, monsieur. Oui, bonne soirée. Vas-y, bonne soirée. Toi, range-toi de toi. Non, mais... Il est bien. Vas-y, monte, ma gueule. Mais ouvre-moi la porte. Mais wesh, il est. Wallah, ouvre la porte, mon ref. Wallah, t'es un handicapé. Non, c'est toi, mon ref. T'es hyper débile. Un petit handicapé. Eh, mets-le dans le coffre. Voilà. C'est bon, il est monté dans le coffre. Merci, hein. De rien, s'il fait plaisir. Comment ça, sale arabe de merde? Mais il est malade ou quoi, lui? Je me suis fait péter toute la journée. C'est pas grave, Roya. Mais c'est pas grave. Ok, encore une scène. Pour Super Ren. Quoi? Hein? Attends. C'est quoi ça? What? Mais c'est quoi? Monsieur? Oui? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Oui, bougez pas. Oui, s'il vous plaît, aidez-moi. Pourquoi ça fait ça? T'es sur... Je suis sur la lune. La vie de ma mère, je suis sur la lune, je comprends pas. Ah!
Vas-y, bon. Vas-y. Attends. Ça va, vous? Attends, je redescends. Attrape-moi, attrape-moi, attrape-moi le bras. Attrape-moi le bras. Pas à te rattraper. Mais non, mais de, le bras, le bras, le bras, le bras. Bah vite, vite. Mais cours aussi. Bah, salut, bisous, je m'envole. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui baragouine? Ouais, tu vas voir. Oh, c'est bon, voilà, c'est bon. Ah ouais, c'est moi. Non, je vais tomber. Attends. Je vais tomber sur eux. Non, 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 non. Voilà, va là-bas, va là-bas. Voilà. C'est bon, les mecs. Je m'éloigne. Wow, attends, je fais la toupie. Mais c'est quoi ça? Non, mais c'est grave. J'ai la tête qui tourne. Ouais, non, non, stop, 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 stop